dirait qu'ils ont des flingues. J'en sais rien, faut que je réfléchisse. La radio est morte depuis des heures. On est complètement isolés, mon frère. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Putain, mais ferme-la un peu! Laisse-moi réfléchir! Il se passe quelque chose. Cette fumée qui vient de la montagne, c'est pas net. Ouais, ça peut vouloir dire n'importe quoi. On ira quand tu seras nuit. Attends, tu crois que c'est une bonne idée? Peut-être qu'on devrait simplement attendre la relève. Là, on risque d'attendre vachement longtemps. Y'a un truc qui cloche, mon frère. Prépare-toi, on s'en va à la tombée de la nuit. Voilà. Alex devrait déjà être revenu. Alex ! À moi ! C'est le docteur Whitman. Shonda ! Alex ! Combien ils sont ? Je ne sais pas. Vous êtes blessé ? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement... Bon, vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutus. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Lara, attends! Tiens,
Prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ses flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Lara, l'endurance est échouée de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté du quai. Tu n'as vu aucun signe des pilleurs ? Rien, tout est calme. S'ils sont dans le coin, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, s'ils sont dans le coin. Écoute, Lara, je sais que t'as pas confiance en Whitman, mais on doit se serrer les coudes. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu perdu les pédales, mais je ne crois pas qu'il nous trahirait. Pourvu que t'aies raison. Alex est parti depuis trop longtemps. J'aurais jamais dû le laisser y aller seul. Ne tarde pas. Il faut trouver Alex. Lara, j'espère que vous comprenez. Là-haut, au palais, vous pouvez vraiment tout faire. Si vous le dites. Bon. Mais nous n'avons pas le temps de parler de tout ça. J'aimerais noter tout ce que j'ai vu ici. Quelle histoire, quelle culture fascinante! Quoi? Pardon, Lara, mais j'ai besoin de vous aider. Tu as trouvé de quoi t'occuper l'esprit? Ouais, un vieux Robinson Crusoe. Quelle ironie. Eh bien, il a fini par la quitter son île. On peut voir ça comme un bon présage. Nous ne voyons jamais notre véritable condition avant d'en avoir expérimenté l'opposé. Nous ne savons apprécier ce que nous vivons qu'à travers nos désirs. Lara, on va s'en sortir. Dis-moi, Lara. Bien sûr qu'on va s'en sortir, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Lara va ramener Alex. Ensuite... Vous vous rappelez ce que je... Je n'ai pas très envie de parler, Lara. Tu devrais... Aller chercher Alex. Quand j'aurai accroché tout ça, Jonah et moi, on pourra déposer le moteur et je commencerai à réparer. Je vais avoir besoin de mes outils. N'oublie pas de me les rapporter, Lara. Allez, Dunair, retourne sur l'endurance pour récupérer mes outils.